Sous les pavés, la plage, disait un célèbre slogan de 1068, en tout cas aux abords de la salle de sport de l'Étincelle d'Algrange, était presque une plage également. Du sable certes, mais le sable dont était composé le terrain de beach volley du club algrangeois. Le jeune club de volley algrangeois, 3 ans d'existence, organisait récemment son tournoi durant tout un week-end, son grand tournoi inter-entreprise et son tournoi Open 3-3. Pour le premier jour sur du sable plus que humide, temps capricieux oblige, une dizaine d'équipes s'étaient donc affrontées, dont les assurances Dura Carly, Garage Safe, Super U, Garage Dillman, Fun Volley, les entreprises Tomé, JP Design, la casse Tiozo, ainsi que Philippe Dépannage. Temps plus clément que celui du dimanche, c'est donc sur du sable plus sec qu'allait s'affronter une douzaine d'équipes pour le grand tournoi Open Beach Volley 3-3. Monsieur DJ Sev, président du club Beach Volley d'Algrange. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le tournoi annuel qu'on organise en Beach Volley 3-3. Le Beach Volley 3-3, c'est une discipline qui est non officielle du Beach Volley, puisque le Beach Volley officiel se pratique à 2 contre 2. Et nous, comme on est dans un cadre loisir, on peut jouer à 3 équipiers contre 3 équipiers. Ouais. Et à ce tournoi de Beach Volley 3-3 se sont affrontées une douzaine d'équipes de toute la région et en Ouest, l'équipe féminine prestigieuse du Terville-Fleuranges Olympic Club de Volleyball, le TFOC. Monsieur Sève. Aujourd'hui, on a 18 équipes qui viennent d'un peu toute la région. On a des gens de Thionville, Fleuranges, Talange, ça vient de Saralbe, des équipes luxembourgeoises aussi. Je voulais aussi vous signaler qu'on a la chance et le plaisir d'accueillir l'équipe professionnelle des filles du TFOC, que vous avez dû certainement filmer avec des beaux maillots roses. Beau succès que ces deux tournois de fin août qui ont été hautement courtisés, en tout cas l'été touche néanmoins à sa fin et les joueurs vont retrouver leurs salles respectives. Pour le reste, rendez-vous l'an prochain. Monsieur Sève. Alors le prochain événement pour le club, en fait là l'activité va décliner tout doucement puisqu'on va arriver en fin de saison d'été. Les joueurs et joueuses vont retrouver les salles et en fait on va faire encore quelques petites activités avec les licenciés de notre club et après on se donnera rendez-vous bien sûr au mois d'avril-mai dès les premiers jours de l'année prochaine. Alors l'événementiel en tête, c'est qu'on va bien sûr renouveler cet événement l'an prochain en espérant attirer encore plus de monde et éventuellement développer plus de terrain. Voilà.